Les plus beaux endroits à visiter au Portugal, Sintra. Les Açores, Lisbonne, Cascais, Porto, Tomar, Sagres et enfin Faro. Sinistère semble tout droit sorti d'un conte de fées. C'est l'un des plus beaux endroits à visiter au Portugal, avec ses châteaux historiques, ses maisons excentriques et tout un tas de jardins idylliques dans lesquels on pourrait se perdre en long des heures. C'est un coin parfait pour les randonnées, mais si vous ne restez pas longtemps, on vous conseille de louer un pouce-pouce pour la journée. C'est une façon géniale de découvrir tous les vues, y compris le palais de Pena, le château de Morès et le souvent négligé le palais de Mosterac. Tout sont beaux à décrocher la mâchoire. Les écossaires sont parfaits pour des petits budgets, comme la majeure partie du Portugal. Puisque vous aurez l'occasion de découvrir les grands espaces du pays, vous ne dépenserez presque pas d'argent. On vous recommande une randonnée autour des côtières pour les vues à couper le souffle. Un terme sur le parcours Paria, Lagoa do Fogo est terminé au Lagon du Feu. Un lac sur un lagon volcanique dans lequel vous pourrez plonger pour vous rafraîchir après tous ces efforts. Lisbonne est devenue l'une des destinations les plus connues pour les routards en Europe. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Pour découvrir cette ville historique, évitez les bus à touristes et embarquez dans le train 28. Dans ce tramway historique, le trajet sera secoué et ne comptez pas sur la clim, même si en plein été. Mais c'est la meilleure façon de découvrir la ville de façon rapide, authentique et dur. Cascais est à environ une heure de Lisbonne, à l'ouest, percée au-dessus de l'océan Atlantique. Faites un arrêt dans cette ville côtière pour explorer son centre historique. Idyllique l'Age Guincho et découvrez la côte incidentée autour de la Bouche de l'Enfer pour déguster les spécialités portugaises. Faites un tour ces mélodies et dégustez des plats régionaux qui vont vous couper le souffle. Thank you.
et la leçon historique de Carla Sepi et les tartes à la crème de Lisbonne. Mais avec moins de monde, comment ne pas aimer? Porto est l'une des villes de l'Europe les plus sous-estimées et définitivement l'un des plus beaux endroits à visiter au Portugal. Si ne vous voulez pas faire partie du trou. Nice au centre du pays du Mar est l'un des plus beaux lieux du Portugal, mais aussi l'un des plus historiques. Soyez sûr de faire un arrêt au sublime convoi de l'Ordre du Christ, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour quelque chose de plus original et considéré comme l'un des meilleurs musées du monde. Attention, cependant, si les allumettes ne vous passionnent pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Les adeptes des beaux châteaux se rendent au château d'Almorol, s'assoient sur son pressoir en pierre qui surplombe un lac. L'endroit idéal pour apprécier un magnifique coucher de soleil portugais. Sagres, l'un des points les plus à l'ouest du continent européen, est l'endroit idéal pour découvrir les impressions des paysages naturels du Portugal. Soyez sûr de passer par la forteresse de Sagres, un fort génial qui se projette dans le Pacifique, un peu hors des sentiers battus, mais qui vaut absolument un détour. Rendez-vous à Casinha, un restaurant familial qui sert de l'entrée. Cuisine portugaise, le meilleur endroit pour se remplir l'estomac avant de se tourner vers la célèbre dans le monde entier pour ses incroyables vagues, c'est l'un des meilleurs rendez-vous du Portugal pour les adeptes de sport aquatique. La meilleure chose est Ericeira, ces écoles de surf récompensées par de nombreux prix qui fournissent du matériel à tous les surfeurs débutants comme les avertis. Et si le surf ne vous tente pas, restez les pieds sur terre et profitez des magnifiques plages de sable de la région.
Percé sur la côte sud de la région de la Grave, Faro est une ville étudiante fourmillante qui devait être sur la liste de tous les retards. C'est l'une des villes les plus populaires du Portugal, mais donne tout de même la publicité de sortir des sentiers battus. Si vous voulez éviter la foule de l'été, dirigez-vous sur l'île de Beretta, surnommée Ilha Deserta. Prenez le ferry pendant 30 minutes pour vous éloigner du centre de Faro et découvrir un tout nouveau monde. Imaginez des magnifiques plages de sable, des rives embrassées par le soleil et de eaux sublimes, parfaites pour une baignade en plein après-midi.